je ne suis pas du tout présentable, mais je viens quand même vous faire un petit coucou. J'ai l'impression que sinon, je ne le ferai jamais. J'en ai même pas fait hier, du coup. J'ai eu une grosse journée de travail hier. Ce matin, j'ai passé du temps tranquille avec les enfants. J'ai expliqué à Mathia et Maë. Je pense que cette année, ils sont en âge de comprendre le fonctionnement du calendrier de l'Avent. Alors, c'était un petit peu drôle parce que je ne leur ai pas expliqué forcément que chaque case correspondait à un chocolat jusqu'à Noël. Mais nous, ce qu'on compte le plus en ce moment, c'est les dodos jusqu'à pouvoir partir au Canada. C'est vraiment voilà, ce qu'on attend le plus. On a très peur aussi de pas pouvoir partir, mais voilà, on s'accroche. C'est la raison aussi pour laquelle on va faire pas trop de sorties. Moi, hier, je suis allée bosser dans un n'était que deux pour éviter la foule. Amy, c'est pareil, on lui a expliqué aussi, c'est que cette année, son anniversaire, on allait prendre vraiment un cercle restreint, les marchés de Noël aussi, on va essayer de se limiter. Enfin voilà, on se préserve un peu pour être sûr de que nous, on soit clean. Si malheureusement les conditions sanitaires se dégradent, et ça, pour le coup, nous, on n'y est pour rien, mais au moins nous, on aura fait de notre côté ce qui était possible. Donc voilà, je leur ai expliqué le calendrier de l'Avent et voilà, on va compter les dodos. Il va manger des chocolats tous les matins. Et encore plein de choses à vous montrer du salon du créateur. Mais je vous avoue que j'étais très fatiguée quand on est parti de Lille et j'ai oublié mon sac et c'est une de mes copines qui l'a récupéré. Dès que je le réceptionne, je vous montrerai, j'ai encore acheté plein de choses pour les enfants. Voilà, j'ai envie de vous montrer ça, j'ai envie de vous présenter ces créatrices. Voilà, ça me tient à cœur, j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais essayer de le faire dès que j'aurai récupéré tout ça. Sinon, je vais aller me préparer quand même parce que là, c'est bon quoi, on est mercredi, il est 13h et je ne suis pas prête. Je vais aller me préparer et voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, de préparatifs, de fêtes, de tout ce qui va avec, d'amour et de bonheur en famille surtout. Et voilà, c'est tout ce qui compte en fait. Dans leur lipstick, d'ailleurs celui que je porte en ce moment, c'est le Aloha, c'est vraiment celui que je porte le plus récemment. Et sinon, mon préféré, je vous le dirai toujours, c'est le rouge The Glam Bam. Sinon, je voulais vous montrer du coup leur mascara, ça c'est le No Limit. Je vous montre la brosse, voilà, elle se présente comme ça, elle est avec des petits picots. De Banana Beauty, vous avez aussi une base que vous pouvez mettre avant d'appliquer votre mascara. C'est une base un petit peu incolore, blanchâtre, comme ça, que vous mettez avant et ça vous donne encore plus de volume au niveau du regard. Voilà, je vous laisse avec mon code. Père Noël ? Il a dit oui parce que mange les chocolats. Non, il a pas dit oui pour que tu manges tous les chocolats. C'est un par jour, on a dit. Non, il a dit oui. Non. Il a dit coucou. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et que nous arrive-t-il ce matin ? Il est 9h15 et nous arrivons déjà à Metz. On a décidé de se prendre un petit peu de bon temps avec Nico ce matin. Les enfants sont à l'école, petit à petit avec nous. On a plusieurs rendez-vous, mais d'abord ce matin on va chiller chez ma copine Deria. Vous savez qu'il y a un institut, on avait fait des soins avec Nico il y a quelques semaines et il faut qu'on fasse genre la retouche. Non, c'est le deuxième round. Là tu fais trop froid pour sortir son enfant. On installe dans la poussette directement depuis la voiture. Hashtag Camille Santoro. C'est froid, hein. Regarde ça. Kai à mort. Déjà, je n'arrive pas à y croire. Je suis avec Nico et on va être à l'heure à notre premier rendez-vous de la semaine. Je crois qu'on est sur une très belle journée. Il est venu.